Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous inviter à écouter votre cœur, à écouter vos envies, à vous écouter vous-même et à faire confiance en la vie avec un grand V. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, la source, la vie, mais ce en quoi vous croyez. Quelque chose de plus grand que nous et qui est là pour nous guider. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Si vous avez un petit peu suivi mon actualité, je vous ai parlé, je crois que c'est la semaine dernière ou ouais, où il y a une dizaine de jours, d'une sortie de ma zone de confort que j'avais faite en m'inscrivant à une journée de masterclass de chorale gospel samedi dernier. Donc, juste pour les personnes qui n'auraient pas suivi, pour vous rappeler, moi, j'avais une croyance limitante que je ne pouvais pas chanter, je ne m'autorisais pas du tout à chanter, même pas sous la douche. Alors, depuis quelques mois, il m'arrivait de chanter dans ma voiture lorsque j'étais toute seule, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Parce que ben, j'avais cette croyance limitante, hein, là on est vraiment dans quelque chose qui me limitait, qui m'empêchait d'être moi-même, que je ne savais pas chanter, que je chantais faux. Je l'ai entendu beaucoup pendant ma jeunesse, mon adolescence. Si vous me parlez d'une des pires humiliations de ma vie, je pense tout de suite à mon bac musique où je me suis retrouvée devant un jury de 3 personnes et qu'il a fallu que je lise une partition en la chantant. Et alors, j'ai toujours détesté le solfège. Enfin, déjà, de lire une partition comme ça, d'improviser et puis de devoir la chanter, ça avait été un cauchemar. Et du coup, ben, j'étais vraiment, vraiment restée là-dessus. Et je ne m'autorisais jamais à chanter. Et puis, la vie est bien faite. J'ai eu quelques reprises. Voilà, j'aime quand même la musique et j'ai toujours été en admiration devant ces personnes qui chantent. Je me rappelle, mes parents avaient une amie dont on était très proche en plus qui avait une très belle voix, qui était capable de chanter a cappella. Et moi, ça me donnait des frissons quand j'entends voilà un solo. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, à l'opéra. J'ai la chair de poule. Enfin, vraiment, c'est des choses qui la musique peut me transporter quand voilà il y a des voix comme ça. Dans Star is Born, justement, j'ai adoré Lady Gaga. Enfin, voilà. Enfin, de plus en plus, j'étais ces derniers temps très, très sensible à la musique et au chant surtout. Et ben, quand je vous dis que la vie est bien faite, j'ai d'abord eu une première opportunité où ben, j'avais rencontré l'amie d'une amie à ses 40 ans. Et qui habitait elle aussi à Paris. Et je crois que c'était en septembre alors 2018, donc il y a 1 an et demi, elle m'avait proposé de l'accompagner chanter. Je crois que c'était un samedi matin à la mairie du 4e arrondissement dans une chorale où elle allait régulièrement. Et tout à je lui avais tout de suite dit, mais non, mais attends, je sais pas chanter, je chante faux. Elle m'avait dit, mais on s'en fiche, allez, viens. Et j'avais osé et j'avais passé un excellent moment. J'avais adoré, ça avait été une très, très belle expérience. Puis après, je m'étais dit que j'allais m'inscrire dans une chorale. On a déménagé et puis j'ai pas osé. Je le dis clairement, j'ai pas osé. J'avais peur voilà, d'aller dans une chorale. Le regard des autres, blablabla. Et puis, bah, il y a une quinzaine de jours, j'ai une séance avec mon astrologue, Véronique Wagner, dont je vous parlerai très prochainement parce que c'est certainement avec Véronique que je vais commencer le cycle d'interviews de personnes qui m'ont entourée, de personnes que je trouve inspirantes. Donc, vous allez très prochainement entendre parler de Véronique. Mais toujours est-il que j'avais une séance avec Véronique sur ma santé, et où elle me disait que j'avais besoin de vraiment prendre du temps pour moi et me ressourcer. Et je sais plus exactement comment on en est arrivé là, et je lui ai parlé du chant, parce qu'en plus, moi, j'ai très souvent mal à la gorge, donc le chakra de la gorge, la symbolique. Et Véronique me dit, mais tu sais, il y a une journée de chorale, enfin une journée de gospel masterclass avec ma chorale. Alors on était ça devait être le 18. Est-ce que ça te dirait de venir? Oh,
Alors tout de suite, je me suis dit, non, je ne peux pas chanter toute une journée. Et puis tout à coup, je me disais, allez, je sors de ma zone de confort et je m'inscris. Et finalement, ce qui est très, très intéressant, c'est que ce qui m'a donné le plus de mal, de difficultés, ça a été d'oser m'inscrire. Mais après, une fois que j'étais inscrite, j'étais surexcitée à l'idée de passer cette journée de chant samedi dernier. Et j'ai préparé mes affaires le vendredi soir. Et le samedi, j'ai pris ma voiture, je suis allée à Montpellier. Et en fait, à partir du moment où j'ai été inscrite, à aucun moment, j'ai eu ce petit stress qu'on peut ressentir. J'avais de l'excitation, le côté, voilà, j'étais impatiente, j'étais enthousiaste. Mais à partir du moment où je me suis inscrite, j'avais décidé de m'écouter. C'était une de mes envies de chanter, donc j'écoutais mon envie. J'écoutais mon cœur, parce que mon cœur, depuis longtemps, me disait « vas-y, chante, ça va te faire du bien ». Et puis, j'ai vraiment décidé de faire confiance en la vie. Moi, je crois énormément à ce qu'on appelle les synchronicités, des situations qui, voilà, vous pensez à quelque chose, vous voyez exactement ce à quoi vous pensez, ou vous pensez à quelqu'un en vous disant « je vais l'appeler, cette personne vous appelle ». Enfin, voilà, c'est ces petits signes de la vie. Et là, je me suis dit, ça fait 18 mois que la vie me met des signes. Là, c'était vraiment une synchronicité extraordinaire avec Véronique, puisque elle m'aurait dit, il y a une masterclass dans 6 mois, ça aurait été différent. Là, la masterclass était 10 jours plus tard. Et vraiment, une fois que j'ai écouté mon cœur, que je me suis écoutée, que j'ai décidé de faire confiance à la vie, tout était fluide. Et j'étais vraiment dans ce qu'on appelle le « flow ». En anglais, c'était, voilà, tout coulait de source, tout était fluide, tout était naturel, et j'en ai profité à fond, j'en ai profité à 100%. Et à aucun moment pendant que je chantais, je me suis dit, mais là, je suis en train de chanter faux, et je pense que je ne chantais pas faux parce que j'étais bien et que je m'autorisais à chanter, et puis que ma voix, là, tout d'un coup, venait de mes tripes parce que ça me faisait vibrer et que j'ai vraiment kiffé ce moment. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à vous écouter, à vous faire confiance, à écouter vos envies. C'est ce que je fais toujours avec mes clientes, les faire reconnecter à leurs envies. C'est ce qu'on fait dans le troisième module pour qu'elles apprennent à s'animer, reconnecter à ce qui vous fait vibrer, ce qui sommeille au fond de vous. Et moi, cette envie de chanter, en fait, elle était au fond de moi depuis des années. Et vous allez voir, vous allez vous étonner, la vie va vous étonner, vous allez prendre plaisir. Et c'est ça, être en vie, c'est écouter vos envies, c'est écouter votre cœur, c'est vous faire confiance, c'est suivre ce que vous avez envie de faire, ce qui vous anime, faites des choses qui vous font vibrer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Comme toujours, n'hésitez pas à faire des petits likes, des cœurs, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Et puis, si vous avez du mal à connecter à vos envies, surtout, il n'y a pas de honte à ça. Moi, très très longtemps, mes envies, je les avais mises de côté. C'est comme les besoins, on a tendance à les oublier. Nos rêves d'enfants, on les met là, ils sont bien enfouis au fond de nous. Il est possible d'aller à la pêche, à la pêche à la ligne de nos envies, de nos besoins, d'aller reconnecter à tout ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes au téléphone ou sur Zoom, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est vraiment justement de faire le point sur votre situation et d'identifier tout ce qui vous empêche aujourd'hui d'être vous-même à 100% et de vivre la vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie épanouissante qui vous permet de vous accomplir. Tout ça sans complexe ni culpabilité. Donc vraiment, prenez rendez-vous avec moi. Nous allons chercher tout ça. Je vais vous aider justement à reconnecter à ce qui vous empêche d'être vous-même. Et puis, vous repartirez en étant boosté, en étant motivé à créer votre propre vie. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.pensez-colorie.com. Vous avez un onglet séance clarté. Et puis là, vous prenez rendez-vous, vous avez accès à mon agenda, vous avez un formulaire à remplir. Et puis voilà, on se parle et vous y verrez plus clair dans votre vie.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Ici dans le sud encore, il fait gris et il pleut. J'espère que vous avez du soleil autour de vous et si ce n'est pas le cas, eh bien rayonnez et vous verrez, ça mettra de la joie dans votre vie. Je vous envoie plein de belles énergies colorées et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.